Aquasissance est une association loi 1901 qui a été créée en 1994 à la suite du génocide du Rwanda par un certain nombre de salariés de Lyonnaise des Eaux. Elle intervient d'abord dans le domaine de l'urgence où elle apporte de l'eau à des populations en détresse à la suite de catastrophes naturelles. Mais Aquasissance intervient également et surtout dans des projets d'aide au développement dans l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et tout ça dans une cinquantaine de pays. Pour mener à bien ces projets, Aquasistance peut aujourd'hui compter sur 750 salariés ou retraités du groupe GDF Suez qui ont adhéré à l'association, tous apportant de leur savoir-faire et de leur temps. On peut tous apporter ses propres compétences. Moi aujourd'hui je travaille sur un projet informatique pour Aquasistance. Moi ce que je peux apporter c'est mon expérience lyonnaise sur le traitement de l'eau d'une part, sur la mécanique par ma formation, et sur la gestion des forages. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, avec notre modeste savoir-faire, apporter quelque chose qui va changer les vies des familles. Avec les années, Aquasistance a évolué, ses partenaires se sont diversifiés, ses projets, toujours plus nombreux, sont aussi devenus plus complexes. Mais la motivation des bénévoles reste la même. À ce jour, ils sont 124 à s'être rendus sur le terrain. Nous avons constaté qu'il existe encore de nos jours des villages pour lesquels il y a un puits pour 2000 habitants et que des personnes, enfin des femmes en l'occurrence, continuent à transporter de l'eau sur des kilomètres dans des conditions d'hygiène très moyennes, pour ne pas dire déplorables. Le but, c'est d'amener des bornes-fontaines dans le village lui-même, plutôt qu'à distance du village. Maintenant, il faut organiser le déploiement de ce projet, tant sur le plan technique que logistique. Jusqu'à présent, il n'existait pas de gestion des déchets. Les gens jetaient leurs déchets n'importe où. Lorsqu'on pénétrait dans une agglomération, c'était des immondices partout. Donc on a créé une décharge pour ça, et avec le matériel qui va avec, bien sûr. Installer ce type d'organisation des déchets apporte énormément de confort aux habitants, de confort et d'hygiène. Donc c'est pour ça que ça dispose, sans compter la pollution justement souterraine pour les nappes d'eau éventuelles. Donc c'est un bénéfice pour tout le monde. La mission du Rwanda consistait à faire un état des lieux des besoins d'un laboratoire d'analyse d'eau. Ce laboratoire d'eau permettrait de savoir quelles maladies l'eau amène aux personnes et pouvoir faire des usines de traitement. Je pense qu'être une femme peut apporter des avantages de contact avec la population et avec les gens. Les femmes peuvent partir sur des missions Aquasistance. Le 12 janvier 2010, la terre tremble, Haïti s'effondre. Le bilan officiel fait état de 300 000 morts, autant de blessés et d'innombrables sinistrés. Dès le lendemain de la catastrophe, Aquasistance envoie un premier bénévole sur place, Christian Rodier, qui sera rapidement rejoint par d'autres volontaires. Moi je suis arrivé au mois de février, donc quelques semaines après le tremblement de terre. En quelques semaines, on a été en mesure de mettre 5 stations avec la distribution par water trucking, qui est la distribution de réservoirs. On a pu regrouper des camions qui faisaient la distribution et qui nous a permis environ 100 000 personnes d'avoir de l'eau potable. Sur Haïti même, sur Port-au-Prince même, mais aussi dans des villages et des petites villes qui étaient très affectées par le tremblement de terre. Ah, ça va, c'est bon. J'ai bien travaillé. Que ce soit pour des missions d'urgence ou pour des missions de développement ou de réhabilitation, tout s'accorde sur un point. Partir pour Aquasistance est une expérience qui marque à jamais. Ça s'est très 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 bien passé. Il y a eu vraiment un échange, même s'il y avait la barrière de la langue avec les gens, ce n'est que du plaisir. Aller dans ces pays-là, ça donne des ouvertures d'esprit, de contact avec d'autres gens dans d'autres contextes. Si vous faites une mission, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est eux qui vous apportent beaucoup.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très, très enrichissant. Et puis, c'est bien. Je vous dis que quand on peut aider quelqu'un, c'est toujours bien. Dans le monde de l'aide au développement de demain, les ONG vont jouer un rôle toujours plus important. Aquassistance doit trouver sa place dans cet environnement. Il lui faut donc se professionnaliser davantage, poursuivre ses recherches de financement et développer son réseau de partenaires. Des défis en perspective, mais aussi beaucoup d'espoir. Le travail n'est pas terminé. Les besoins sont encore là. Des populations vont venir frapper à notre porte pour nous demander de les aider à trouver de l'eau potable, à régler leurs problèmes d'assainissement ou leurs problèmes de déchets. Et je sais pouvoir faire confiance aux membres de l'association, aux bénévoles qui se sont déjà engagés et à ceux qui s'engageront plus tard pour nous aider à réaliser ces projets, à trouver les financements et à faire en sorte que des idées deviennent des réalités sur le terrain.